Bonjour messieurs dames, bienvenue sur le parvis du Quartz Occupé. Aujourd'hui, comme à l'accoutumée, avec l'aide du vent, je vais essayer de vous lire les revendications que nous avons depuis plus de 3 mois. Le Quartz Occupé, les intermittents du spectacle, techniciens et artistes bien sûr, nous revendiquons la réouverture des théâtres et des lieux de diffusion dans le respect des règles sanitaires. Alors, il faut savoir que les théâtres et les salles de spectacle, certaines ont réouvert, mais avec une mi-jauge, et malgré ça, à cause de ça, beaucoup d'intermittents ne pourront pas travailler. Et donc, à ce propos, nous revendiquons la prolongation de l'année blanche sans rabais pour les annexes 8 et 10 relevant de l'assurance chômage. L'année blanche a été prolongée jusqu'au mois de décembre, mais pour nous, c'est insuffisant. Justement par rapport au point que j'ai soulevé déjà au niveau de la réouverture des salles. Nous demandons aussi, nous revendiquons un plan de financement fiable permettant la reprise du secteur culturel, salles, festivals, etc. Nous revendiquons la prolongation des aides pour les indépendants et toutes petites entreprises du secteur culturel. Nous revendiquons l'ouverture des droits à l'assurance chômage à 250 heures pour les primo-entrants et les chômeurs en fin de droit. Nous revendiquons la prise en compte des intermittents de l'emploi au sens large. Aujourd'hui, 2 millions de personnes sont oubliées et sans aide demain. Nous revendiquons aussi le maintien de droits pour l'accès au congé maladie et maternité pour tous les salariés à emploi discontinu. Et enfin, dans la convergence des luttes, le plus important, nous revendiquons l'abandon définitif de la réforme de l'assurance chômage qui touche les intermittents, les intérimaires, les saisonniers, tous ceux qui font des petits boulots et qui se retrouvent après sans emploi. C'est très très compliqué et ça va tomber, cette réforme, normalement au 1er juillet, il va y avoir plein de gens dans la merde. Voilà, je vous remercie. Maintenant, on va vous annoncer le groupe qui est venu nous soutenir et jouer pour vous un petit instant bien sympathique. Merci. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Raise Your Fireflies, que je vous demande encore une fois d'applaudir bien fort, et je vous souhaite un bon concert. Merci beaucoup. Ophelia, you've been on my mind, you're in the flesh.
le temps du raccordage, on va dire quelques mots. Donc, on est effectivement les Rise of Fireflies, donc l'envol des Lucioles en français. Et en fait, on est venu vous raconter des histoires de femmes, puisque chacun des morceaux qu'on joue ont pour titre un prénom de femme. Donc là, vous avez eu Ophélia, une cover du groupe Lumineers. Et puis, on va enchaîner sur un morceau britannique qui s'appelle Carla. Voilà, merci à vous en tout cas, et on est très contents d'être là et de pouvoir jouer pour vous et pour soutenir le mouvement aujourd'hui. C'était le morceau le plus connu au monde, l'accordage. Elena. Tell me what it is.
I can feel the pain burning into your veins. You called them for help. No one ever hear you. Elena, Elena, you want it. Avec une nouvelle compo qui s'appelle Marine. Only if you care, only you were aware.
Isabella. Alors, si certains d'entre vous connaissent Moriarty, ben, on l'a complètement revisité. Voilà. Reprise de Jolene. Jolene, Jolene.
And please don't take him, him though you can. Your beauty is beyond fairy standards. Your beauty. C'est bon, pardon. Ok. Ouais. C'était un peu cool. C'était quoi? Non, je sais pas. Allez, c'est là. Your beauty. Your beauty is beyond compare. It's been love to one man. Very skinny eyes of a rose. You smile like a breeze of spring. Your voice is soft like summer rain. And I cannot compete with you, Jolene. He talks about you. Allez, pour une petite dernière, on va vous tenter un morceau qu'on n'a pas joué depuis longtemps qui s'appelle Sophie. And you can take higher love.
Alors merci à tous les deux pour ce bon concert. Je vous demande de les applaudir bien fort s'il vous plaît. Merci pour votre soutien aussi notamment. Je rappelle pour ceux qui le souhaitent qu'il y a une caisse pour soutenir la lutte. Donc si vous voulez donner un petit peu d'argent pour soutenir la lutte, la caisse est là. Je vous invite à aller voir l'exposition collective aussi qui se trouve sur ma gauche. Voilà, pas mal de photographes y participent et voilà, donc il y a des beaux clichés à les regarder. Et je vais laisser la parole à Erwan. Non, entre-temps, il y a un énorme coup qui est arrivé. Ça va faire beaucoup trop tard. Non, c'est nickel, on va se poser. On va être en toute la place. Oui, je voulais vous annoncer quelque chose d'important. Au niveau aujourd'hui, il y a le Conseil d'État qui doit se pencher sur la réforme de l'assurance chômage. Ils doivent se pencher, ils sont déjà penchés, ils sont bien des. Même complètement, ils devraient être pliés, complètement, on devrait les plier d'ailleurs. Et donc, ils doivent nous donner une réponse vers le 17-18, à savoir qu'est-ce qu'ils font de cette réforme, s'ils la repoussent, s'ils. S'il l'annule complètement, ce serait chouette. Sinon, tu as parlé ? Bon. Et là, sinon, il y a plein d'enfants là, qui sont arrivés et ça tombe bien parce que maintenant, ça va être pour eux. Il y a Nolwenn qui va venir vous raconter un conte, peut-être plusieurs, si vous êtes sage, si le conte n'est pas trop long. Alors, à vous, pour bien ouvrir les oreilles et peut-être fermer les yeux pour imaginer le monde aussi. Ça peut être sympa, de temps en temps. On applaudit Nolwenn.